Le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Nous croyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a invités en ces lieux. L'invitation par laquelle nous nous retrouvons ici, ce n'est pas l'invitation d'un homme, mais c'est l'invitation de Dieu lui-même. Et nous croyons que ce que le Seigneur t'a convié au devant de lui, c'est qu'il n'était destiné pas à la mort, mais il veut te préparer pour les grands jours, pour son avènement. Et c'est la raison pour laquelle toi tu te retrouves ici. C'est pourquoi il faut toujours rendre au Seigneur des multiples actions de grâce. Parce que cette faveur, le Seigneur ne l'a pas faite à tout le monde. Mais le Seigneur a choisi seulement de te le faire à toi. Vraiment que son nom soit loué. Vraiment que son nom soit béni. Lui qui ne cesse de renouveler sa bonté dans nos vies. Lui qui est toujours patient à notre égard. Lui le Seigneur de gloire. Lui qui nous montre toujours sa bonté. Il manifeste toujours sa miséricorde. C'est pourquoi ce jour-là, la femme des cantiques des cantiques, lorsqu'il a dit, il a dit aux bien-aimés les filles de Jérusalem, si elles n'ont pas aperçu son bien-aimé, et les filles de Jérusalem lui ont rétorqué, quand tu tombes bien-aimé pour que tu me conjures ainsi, pour que tu me conjures ainsi. Amen. Quand tu tombes bien aimé, pour que tu nous conjures ainsi, il a commencé à décrire son bien aimé. Il a dit, mon bien aimé est blanc et vermeil. Amen. Donc dans son bien aimé il y a la blancheur. Et c'est ce qui distingue son bien-aimé d'un autre homme. Et dans son bien-aimé, il y a la couleur rouge. Vermeille. La couleur rouge, c'est la justification. Il est vermeil. C'est la justification. Et c'est ce que les autres hommes n'ont pas. C'est ce qu'un autre homme n'avait pas. Et dans son bien-aimé, il y a aussi la couleur blanche. L'âme qui a permis, donc c'est la lumière. Donc son bien-aimé donne la lumière. Lui-même il est la lumière. C'est pourquoi il avait dit, je suis la lumière du monde. C'est lui le bien-aimé des cantiques des cantiques. Son corps est d'ivoire poli. Quand on parle d'ivoire, on voit la nature de l'éléphant. On voit la grandeur. C'est quelqu'un de grand. On dit son corps est couvert et d'ivoire. Salomon, comme il était un grand roi, il s'était fait aussi un trône à sa taille. On appelait ça le trône d'ivoire. Parce que c'est un grand roi. On dit son corps est
fois poli, mais couvert de sa fille. Sa fille, c'est la pierre précieuse. C'est la pierre qui parle de la grâce de Dieu. C'est la pierre qui parle de la miséricorde de Dieu. Donc son corps est d'ivoire, mais couvert de sa fille. Pour dire, c'est un grand Dieu. C'est ce qu'il t'a fait aujourd'hui. C'est ce qu'il continue toujours à te faire. Parce que lorsque le sacrifice a été donné au bas de la montagne, on dit Moïse est monté sur la montagne avec les anciens d'Israël. Et là-bas, ils ont vu Dieu. Et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de sa fille. Et Dieu n'étendit pas sa main sur les ennemis de son peuple. Étendre la main, c'est dans le sens de frapper. Comme ils ont vu déjà Dieu en forme de sa fille. Et que le sacrifice était donné au bas de la montagne. Dieu ne pouvait plus frapper. C'est pourquoi on a dit qu'il n'étendit pas sa main pour frapper les élites des enfants d'Israël. Donc les gens avec qui Moïse était monté, les chefs du peuple là, ils ont vu Dieu. Ils ont mangé et bu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mangeons et nous vivons. Et c'est ça l'état de la grâce. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Parce que tu n'es pas sous la colère de Dieu, mais tu es sous la miséricorde. Mais Dieu, ses compassions sont immenses.
est en train de vivre. Ce que tu es en train de vivre. La situation que tu es en train de passer. Le Seigneur le sait. Même si cela vient comme des grosses eaux. Ces grosses eaux-là ne te submergeront pas. Le Seigneur fera toujours que ta tête soit levée. Parce que c'est lui-même le Seigneur qui t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Quand il aime quelqu'un, non, quand lui, Dieu aime quelqu'un, il aime vraiment avec un amour ineffable. Vrai. Un amour inaltérable. Les hommes, ils peuvent t'aimer aujourd'hui. Et demain, ils te cherchent un motif pour se séparer de toi. Dieu. Dans le sens que ce n'est plus Dieu de la
communauté. Dieu d'une seule personne, de toi. Vous obéirez à votre Dieu. Il arrive un moment. Moi, je suis resté fidèle à la voix de l'Éternel, mon Dieu. C'est ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent la masse. C'est bien. Mais à un certain moment, tu dois faire preuve aussi toi-même. Comme Caleb et Josué, ils sont allés explorer le pays. Maintenant, lorsqu'ils sont revenus, les 10 se sont écartés et ont gardé la voix de l'Éternel. Et Caleb a dit : j'ai gardé la voix de l'Éternel, mon Dieu. Il n'a pas dit notre Dieu de la communauté d'Israël, non, mon Dieu. C'est pour démontrer. Il y a un moment, les gens avec qui vous êtes ces relâches, toi tu n'as pas te relâcher. Toi tu dois marcher sur ces chemins. C'est pourquoi nous parlons de la patience. Qui est là? J'avais dit, on parle de la patience par rapport à une promesse. Si une promesse a été faite et que cette promesse doit s'accomplir pendant le temps où on t'a fait la promesse, quel est temps de l'accomplissement de la promesse. On doit être patient. Prenons d'abord l'écriture des Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 6. Le verset 11. Restez seulement assis, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc dans cette écriture, on nous montre que la promesse faite pour l'hériter, il faut la persévérance qui est la patience. Mais pendant ce chemin-là vers l'accomplissement de la promesse, il y a des tribulations, il y a des persécutions, il y a des afflictions, il y a des problèmes ou des cas difficiles dans la marche. Mais on dit, tu ne dois pas te relâcher. Tu dois avoir la foi et la patience, la persévérance pour hériter la promesse. J'avais dit, la première promesse que nous attendons est la plus grande promesse des croyants. Ce n'est pas d'abord les mariages. Ce n'est pas d'abord s'enrichir sous le soleil. Ce n'est pas d'abord les choses de ce monde. Lesquelles ne sont pas mauvaises. Mais la première promesse, c'est la vie éternelle. La première promesse, c'est l'avènement du Seigneur. Amen. Mais pendant ce temps-là, les chrétiens doivent être patients.
doit y avoir la persévérance pour qu'il ne puisse pas relâcher dans la foi. Et c'est bien mal ça là, na poli pico pote balle patobatika te kondima. Il ne doit pas être comme des moqueurs. Mal ça la telle la patioli. Nous allons lire cette écriture aujourd'hui en long et en large. Vous allez nous supporter. Amen. Parce que j'ai remarqué que les gens ne l'ont pas lui-même à la maison. Avant de vous aider. Notre travail, c'est de vous aider. Amen. Le verset premier. De 2 Pierre chapitre 3. On dit voici déjà. Bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements. Par votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur le Sauveur, enseigné par vos apôtres. Ça, c'est une autre écriture du fondement des apôtres et des prophètes. Ouais. J'ai dit, c'est une autre écriture qui se marie avec l'écriture d'Ephésiens 2, 20. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Parce que d'autres disent que les prophètes, là dont on a fait mention, ce sont les prophètes de la Nouvelle Alliance. Non. Donc, ce n'est pas les prophètes de l'ancienne alliance. Il n'y a pas non plus d'enseignement. Parce que quand Paul prêchait, les Bérénins vérifiaient les prophètes. C'est ça. Non, les écrits des prophètes de l'ancienne alliance. Pour voir ce qu'on leur disait d'exact. Pour dire que tu es là. Pour que tu puisses attester que ce que je te dis ici est vrai. Tu dois ouvrir les livres de Moïse et tous les prophètes est là. C'est ça. C'est ce qu'on faisait avec Paul. C'est pourquoi ici même Pierre répond que les choses annoncées d'avance par les prophètes. On dit sachant avant tout que dans les derniers jours, ils viendront des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Des mêmes qu'ils étaient tirés de l'eau et formés au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre de la présence sont gardés et réservés pour le feu. Pour le jour du jugement, hommes impies. Amen. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur,
un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son de la promesse. Comme quelques-uns les croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra. Amen. Comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Avec fracas. Les cieux embrasés se dissoudront. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Donc ici il prêche la prophétie, maintenant il vient entrer dans la doctrine. Quelles ne doivent être? Quelles ne doivent pas être? Ni n'y a pas essayé de à la tête. Quelles ne doivent pas être? La sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Saint, du jour de Dieu. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments avancés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, les nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Est irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, c'est l'écriture que nous venons de lire. Et la promesse qui a été faite de l'avènement du Seigneur. Et les chrétiens doivent être patients jusqu'au retour du Seigneur. Lorsque le Seigneur s'en allait, il avait dit que je reviens bientôt. Mais depuis qu'il avait dit cela, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas toujours revenu. Et cela a suscité de mon cœur. Ils ont posé la question. Où est la promesse de son avènement? Parce que depuis que les personnes sont mais il a exhorté en disant, allez, il veut ignorer que le monde ici et tout a été formé par la parole. Et que par la parole, le monde même passé avait péri dans l'eau. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais s'il ne vient pas, amen. Mais s'il ne vient pas, il veut que tous nous puissions parvenir à la perfection. Tout le monde que nous parvenons à la repentance. C'est ça la patience d'abord du Seigneur. Parce que si c'est
Il allait perdre certaines personnes. Et lui étant le bon berger, ne voulant qu'aucun puisse périr, il est patient que les gens puissent prendre la stature de la parole. Le Seigneur ne tarde pas, mais il veut que les gens comprennent la parole. Dans sa manière de voir, l'homme ne vient pas. Cela veut dire qu'il voit d'autres n'ont pas encore bien compris ces choses. Et pour manifester les vrais fruits de la parole. Mais pendant ce temps-là, il y a des manqueurs. C'est pourquoi on dit, Moïse tardait là-bas sur la montagne. Là-bas, le peuple a dit Moïse tarde. Et nous savons ce qu'il est devenu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fabriqués un fond d'or au bas de la montagne. Ces gens-là n'étaient pas patients. Quand tu n'es pas patient, tu seras mon cœur. Tu vas abandonner la promesse. Être mon cœur, cela ne veut pas dire seulement dans le sens strict du terme, mais c'est mon cœur. La sainteté de votre conduite. Et que vos sangs, il
et votre piété, vous voyez la sainteté de votre conduite. Au moins, et votre piété. Pour que lorsque le Seigneur vient, vous puissiez entrer. Et que vous fuyez les grincements du temps du dehors. C'est la sainteté de votre conduite, de votre piété. Amen. Il est venu encore au verset 14. Il dit, c'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, dans la parabole maintenant, c'est comme les vierges qui avaient des réserves d'huile. C'est ce qui leur permettra d'entrer dans les nonces. Amen. Parce qu'elles étaient déjà vierges. La virginité, c'est la foi qu'elles avaient. Amen. Parce qu'elle est même innée et naturelle comme ça dans la vie des gens. Donc quand il vit né, elle est vierge. Donc quand nous aussi nous naissons dans la foi, ça veut dire qu'on est des vierges. Dans la foi que nous avons, c'est ça la virginité. Maintenant, on doit tu es orphelin.
dit cette souffrance-là. Et Seigneur, c'est pour rien. Ce n'est pas pour passer les écritures. On dit, regardez ça comme un sujet des gens complètes. C'est pour ces circonstances ça nous arrive. Nous bénissons Dieu. Même si on va pleurer, nous bénissons Dieu. Mais les choses comme les gens vidéo. On dit, vous ne dites plus amen. 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 Ah. Je ne souhaite pas que vous puissiez l'apporter du poids quand même. Ah, mais je vous dis que c'est le chemin de tout le monde. Là-bas, le Seigneur ne demande à personne. Le Seigneur a pris son mari. Et puis il a pris ses deux enfants mâles. Amen. Ah. Elle est revenue dans le pays. Pauvre. Veuve. Privée d'enfants. On joue pas avec Dieu, frère. Parce que ça veut dire ce que lui veut faire. Personne ne va l'arrêter. Personne ne le saisira à mes frères. Il a dit à Ézéchiel, je vais enseigner à Israël. Ils sont devenus très orgueilleux. Je veux détruire les temples là qu'il y a à Jérusalem. Mais je vais leur donner un exemple. L'image du temple. Je vais tuer ta femme. Ah! Les rebelles, c'est seulement pour les enseigner. Toi, tu tues ma femme à moi. Non, je vais tuer ta femme. Ta femme va représenter les temples. Cet homme-là a regardé Dieu comme ça. Il a écouté seulement. Ah! Voilà.
Sachant que maintenant on veut préciser une chose. Vous devez être dans la joie complète. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez là où vient la patience? Dans les épreuves de la vie. Donc quand on dit ajouter à votre tempérance la patience, cela veut dire que le Seigneur, lorsqu'il va t'envoyer les épreuves, sois fort de les surmonter. Spirituellement, ça t'augmente la patience. Ah, il faut baptiser un qui monte pas moulaï. Amen. Ah. On dit l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. Accomplisse parfaitement son œuvre. Yeah. Toi tu le surmontes. Tu as la patience. La patience augmente. Amen. Amen. On dit la patience là. Que le Seigneur veut qu'elle soit manifestée dans ta vie. A une œuvre qu'elle doit accomplir parfaitement. Afin que vous soyez parfait, accompli. Hein? Bakoka, Amen. Amen. Donc quand la patience vient, c'est pour que tu sois accompli. On dit sans faillir en rien. En abondance. Tu ne vas pas faillir dans les choses qui manquent. Amen. Tu manques du travail. Mais tu as l'espoir que le Seigneur va me donner du travail. Vous voyez cette patience-là? Lorsque ça deviendra grand, ça ne te poussera jamais à aller dans les séances occultes pour avoir de l'argent. Qui s'enrichissent trop jeunes. Oh, par exemple, là, pourquoi ma basse? Les jeunes, pour la plupart, les jeunes hommes, hommes, ils sont devenus des femmes, des autres personnes. Pourquoi? Ils n'ont pas la patience. Amen. Mais celui qui a la patience, je travaille. Je travaille. Mais je ne vois pas la prospérité comme je le souhaite. Comme je le souhaite, je ne la vois pas. Je n'irai pas dans les sciences occultes. Amen. Amen. Moi, je vais prendre ça comme l'épreuve pour augmenter ma foi en termes de patience. Sans les épreuves, tu n'entreras pas au royaume. Tu n'entreras pas, frère, quand tu ne trompes pas. Vous allez voir d'autres chansons. On dit bon, on est là, pas si bon, on n'a pas cité. Non, frère. Jésus, il a souffert pour nous. Oui, nous aussi, nous devons souffrir. Il a porté la croix. Nous aussi, nous devons porter notre croix pour le suivre. Écoute ce qu'on dit ici dans Actes des Apôtres.
dans Actes des Apôtres, frère. Au verset 21. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 14. Le verset 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quand il essaie d'évangéliser cette ville, et fait un certain nombre de disciples, et fait un nombre de disciples, c'est-à-dire, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est pas beaucoup de tribulations, qu'il nous faut, oh, et c'est bien une abuse, mon bec au pénal. Entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ici, on a dit pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut. Ça, c'est un ordre. Donc, pas ordre, mais obligation. Quand tu as quelqu'un, il faut. Ça veut dire que tu l'obliges. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Il nous faut pour entrer dans les royaumes beaucoup de tribulations, et de diverses épreuves. Maintenant, si tu n'as pas la persévérance, si tu n'as pas la patience, la patience, c'est ça, la persévérance. Si tu n'as pas ça, tu vas nous laisser. Tu vas nous laisser. Pourquoi? La patience t'a manqué. Il y a d'autres circonstances qui nous arrivent, frère. Pour que le Seigneur puisse forger ta vie spirituellement. Tu verras cela comme une grande blessure. Hein? Une grande blessure. Pourquoi? Une perte dans la famille. Ah, s'il était là. Mais on dit, ça, c'est pour que tu manifestes la patience. En d'autres termes aussi, si tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi la patience. Une grande patience. Seigneur, envoie-moi des grandes tribulations. Amen. Si vous remarquez les gens qui sont très patients dans la vie, si tu remarques les gens, ils sont très patients dans la vie. Quand tu connais, regarde seulement les partout. Beaucoup de preuves. Il y a des gens qu'on a bannis. Qu'on a haï. Qu'est-ce qui amène cette haine là? C'est seulement la parole de Dieu que nous. Tu es quelque part, tu brandis la parole, ça suscite des tribulations. Tu es disciple là où tu es. Et par exemple, il y a un débat. Tu as raison. Et les vieux disent, toi, ta
On va voir celui qui va te consacrer. Sans que ce soit des tribulations à toi. Les gens parlent toujours à mal de toi. Tu écoutes ça. Ça te ronge le cœur. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas voulu dire ça. Mais comment ils ont dramatisé ça? Ils ont fait ça comme ça. Pourquoi? Seigneur, toi tu connais que je n'ai pas fait ça avec cette intention ici. Seigneur a laissé ça. Pourquoi? Pour que tu manifestes la patience, frère. Tu dois serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être un homme patient. Tu n'es pas patient. Tu vas abandonner le ministère. Tu vas abandonner. Et surtout si tu as seulement dans ton esprit. La disposition qu'on puisse toujours t'acclamer. Tu prêches bien. Vraiment. Vraiment qu'on partage avec toi. Tu vas trébucher. Tu vas trébucher les jours où seulement la même personne va se retourner contre toi. C'est pour la Bible dit Moïse. Il était un homme fort, patient plus que toute la terre. Parce qu'il était à tout moment murmure. À tout moment murmure. À tout moment murmure. Peuple de commence à être rebelle. Alors, lui, mais t'as dit quoi, t'as pas ton poste à cette disposition là. Et que l'imposition n'a pas qu'à parler de la vie, il est un fort patient. Et que parler à la vie, mon tour, à la vie, n'a pas dit, mais mon thème à mon avis à ma tâche. Parce que si tu ne sais pas conduire les gens, ouais, de ce que j'ai dit, n'a pas qu'à ma vérité. Pardon, assieds-toi, c'est moi, quelques minutes. Si tu ne sais pas conduire les gens, tu auras la réputation dans l'église que tu insultes les fidèles. Tu parles à mal des fidèles. Moi, j'aime pas venir vers lui, il est brutal. Moi, j'aime pas venir vers lui. Il est brutal. Il est brutal. L'homme. Verbalement comme ça, non. Même moi, pasteur. Non, j'ai dit pasteur. Pasteur. C'est seulement pour mettre quelqu'un ministre. C'est moi seulement bien prêcher la parole. Bien prêcher. Ah, ce sont des questions qu'on reçoit souvent. Il ne sait pas parler aux gens. C'est non parce que l'hippopotame, le crocodile, il est devenu pasteur. Tout ça, c'est parce que la patience te manque. Tu n'es pas patient à voir que c'est un frère. Demain, il comprendra. L'homme a conscience. Même dans des débats, frère. Il ne faut pas seulement vouloir qu'on puisse accepter ce que tu dis aujourd'hui. Ah, non! Non! On peut l'accepter même après 5 ans. Mais alors, t'attends, toi, souffre d'abord comme ça. Ça va t'augmenter la patience. Non, quoi, maintenant, nous pouvons, ça n'est pas mon thème à Moulaï. Des choses qui paraissent petites. Amen. Mais ce sont des choses qui nous gangrènent, qui nous rongent. On dit Moïse était un homme fort, patient plus que toute la terre. À un moment même, il a parlé légèrement de l'air de Dieu, l'a puni. À cause de et lui, Colbert, essayez de vous la moteur. Toi de ton côté, non, toi de ton côté, patient
Seigneur. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Ça s'accomplit toujours. Amen. Ça s'accomplit toujours. Quand il dit une chose, ça ne rate pas. C'est ça qui fait même sa renommée sur toute la terre. Il a donné des enfants aux femmes stériles. Il a élevé ses qui n'avaient pas d'argent. Il a guéri les malades. C'est ça qui a fait sa renommée. C'est ça qui a fait sa renommée. Il a donné des enfants aux femmes stériles. Il a élevé ses qui n'avaient pas d'argent. On la liste quand même, non? Vous êtes d'accord avec nous? Psaume 138. J'ai mis au nom de Jésus-Christ. Le verset premier. Psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Dans la fidélité, c'est toujours par rapport à la promesse. Donc quand il te fait la promesse, il va l'accomplir. Malgré tes faiblesses, il va l'accomplir. Amen. On dit car ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Ce qui a fait que Dieu puisse être renommé partout là-bas. On avait fait accomplir ses promesses. Par exemple, dans ta vie, tu n'as pas d'argent. Tu crois que Dieu donne l'argent. Quand Dieu va te donner l'argent, les gens qui étaient tout autour de toi qui te voyaient pauvre type, ils sauront que Dieu a accompli les promesses. Donc ça va encore se répandre, sa renommée se répandra encore. Si tu étais stérile, tout le monde te connaissait stérile. Quand tu vas accomplir la promesse de te donner les enfants, la promesse de Dieu, la renommée de Dieu va s'étendre encore dans ta vie. Dès la même manière, le Seigneur aussi viendra accomplir la promesse de son avènement. Amen. Amen. Amen.